Alors, on va dire, François, les années vétérans se suivent et se ressemblent un petit peu avec d'autres vétérans qui y arrivent. Ouais, là je suis vraiment content. J'ai vraiment été content comme ça de gagner. Parce que bon, bah ouais, ça fait maintenant, c'est ma sixième année vétéran, tu dis que tu vas finir par faire taper. Bon, je gagne pas la course, hein. C'est Toura qui gagne, c'est lui qui a gagné, mais bon, je savais qu'il était étranger, bon, ça fait plaisir, quoi. Ouais, c'est que c'est régional vétéran, il n'y a pas de quoi non plus s'emballer, hein. C'est pas champion olympique, hein. Mais bon, à chacun son niveau, tu vois, voilà. S'il n'avait pas été étranger, tu l'aurais suivi? Non, de toute façon, non, de toute façon, j'ai pas les cannes pour le suivre, hein. Non, il est nettement meilleur que moi, le gars, il s'est amusé, lui, hein. Il faisait ce qu'il voulait, il accélérait, je revenais au train, mais il fait ça 3-4 fois, moi je lâche, non, il est 100 fois meilleur, lui, hein. Il n'y aura pas de comparaison, c'est un gars qui peut être bon en France, d'ailleurs j'espère qu'il va bien réussir. Pour la région, c'est bien pour nous. C'est bien pour nous. Voilà. Et alors, tu étais encore sous Livry Gardant l'année dernière, là vous avez créé un nouveau club là? Ouais, on a créé un club, c'est Frédéric Gilbert, un copain à nous qui a été champion du monde vétéran du 3000, qui a créé ce club et puis il nous a demandé, enfin, comme on était les bons potes, il nous a réunis quelques-uns, on est 5 ou 6, et puis on espère recruter à gauche, à droite, mais une équipe de copains. Alors, bon, pour l'instant, on peut pas courir en équipe, mais c'est vraiment une équipe de potes. C'est pas les mecs qui font. Voilà, c'est entre copains, on a fait ça, et on trouve ça sympa. C'est 94. C'est vrai, j'ai interviewé Thomas tout à l'heure, Thomas Lossier, et puis alors, il disait que ça lui fait plaisir, tu sais, aujourd'hui, il retrouve les vétérans, et puis c'est un peu ça, le solon, là, vous vous retrouvez. C'est ça, alors, il n'y a pas que des vétérans dans notre club, il n'y a pas que des vétérans, mais disons que l'ossature a été faite par des vétérans, dans l'objectif d'avoir une bonne équipe, et puis d'essayer d'arriver, pour pas se cacher la face, dès qu'on aura une équipe, essayer d'être sur les podiums des France par équipe, Diborn, Ekiden, Cross, etc. Mais avant tout, c'est vraiment des potes, hein. Les gens que je connais, c'est des gens que je connais depuis très longtemps. Hein. Voilà. Et on fait un club, enfin, on fait un club entre nous, quoi. Voilà. Alors, bon rétablissement à toi. Hein.